Après avoir démarré 2018 lentement, Alexander Zverev a nettement accéléré durant le Master 1000 de Miami dont il disputera la finale dimanche après avoir écarté Pablo Carreño Busta, 7 à 6, 6 à 2. Avant d'arriver à Key Biscayne, Zverev était en mode selle, 8 victoires pour 4 défaites et des éliminations qui faisaient désordre pour un N5 mondial, au troisième tour de l'Open d'Australie en janvier ou d'entrée à Indian Wells début mars. Mais en Floride, Zverev n'a laissé que 2 manches en route. « Mon niveau de jeu est ok, je joue bien », a résumé le prodige allemand, 20 ans après sa victoire en demi-finale contre l'Espagnol. Pour Zverev, révélation éclatante de la saison 2017 avec ses 5 titres dont 2 en Master 1000, Rome, Canada, le déclic a eu lieu à l'entraînement. Une victoire pour enclencher 2018, je me suis beaucoup entraîné, c'est là que j'ai retrouvé confiance en moi, j'avais déjà bien joué à Acapulco mais je m'étais un petit peu blessé contre Del Potro en demi-finale, a-t-il expliqué. Une confiance qui pourrait bien grandir dimanche en cas de nouveau sacre en Master 1000. Signe du destin, le tennisman âgé de 20 ans va donc disputer sa 3e finale d'un Master 1000. Et à chaque fois, il a remporté le sacre, que ce soit à Rome ou Montréal en 2017.